Ok, donc on commence par, eh ben on commence par le début, c'est logique. Commençons par l'accueil des nouveaux. Donc, alors je vois que ben Jacqueline était en ligne, je vois toujours sa webcam, on voit son intérieur, mais on ne voit pas Jacqueline. Jacqueline? Je ne sais pas si elle est occupée ou est-ce que Jacqueline nous entend? Bon, je pense qu'elle n'est pas devant sa webcam. Bon, alors on fera ça tout à l'heure, peut-être. Ah, si, ça y est. Jacqueline? Elle est au téléphone, oui, apparemment. On n'attend plus que. Ah, nous avons Patricia qui arrive. Ben, alors, on va en profiter pour. Bon. Ouais, je sais dire, ça ne doit pas être un peu très important. Mais si, justement, on attend Jacqueline. Bonsoir, Patricia. Ah, Patricia, on voit bien les yeux, mais essaie de régler ta. Voilà, essaie de régler ta caméra, quoi. On voit juste. Voilà, on voit Patricia. Mais par contre, on ne voit toujours pas Jacqueline. Donc, on attend Jacqueline pour qu'elle se présente à nous. Bon, on ne va pas l'attendre pendant 2 heures hein, si elle a une conversation urgente. On va. Alors, je vais simplement noter dans la fin de conversation. Jacqueline. Jacqueline. Si tu veux bien te présenter à nous. Tac, bon. Ah tiens, attends, il y a un petit problème. Pardon. Je recommence. Je viens d'envoyer juste un message à Kevin. Je viens d'envoyer un message privé à Kevin en disant, Jacqueline, si tu veux bien te présenter. De quoi il parle? Ok, donc voilà, je choisis l'option envoyer à tout le monde, parce qu'en fait, on peut s'envoyer des messages privés. Jacqueline, si tu veux bien te présenter à nous, nous n'attendons plus que toi. Je vais lui mettre la pression. Voilà. Ok, bon, on verra si Jacqueline, il a